Hello tout le monde, comment ça va? Bon, comme t'as pu voir, j'ai reçu un arrivage massif de cartons, donc je vais t'en déballer une partie et te montrer ce qu'il y a dedans. Et puis la suite, ça sera pour une prochaine fois. Allez, c'est parti! Bon, bah voilà, on va commencer. Vu que j'avais déjà commencé la collection de pop avec Vaiana, bah je continue un peu pour avoir la collection complète. Donc je vais t'en montrer déjà deux que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, les voilà. Bon, t'as déjà vu que j'avais déjà Vaiana, j'ai Moana, quelques-unes. Et puis là, ben, j'ai pris deux autres. La première que je vais te la montrer, c'est déjà, voilà, Tefiti. Donc je vais te la déballer. Hop. Ça, tu vas pouvoir voir à quoi elle ressemble. Elle est vraiment chouette parce qu'elle est vraiment représentée comme on l'a dans le dessin animé. Donc je vais te la montrer, tu verras, elle est vraiment chouette. Bah oui, elle a le petit corps qui bouge aussi, hein. Mais non, elle est vraiment sympa. Hop, attention, ça tourne, voilà. Donc non, elle est vraiment bien réussite. Elle est vraiment chouette. Là, on va la remettre tout de suite à sa place dans son petit carton. Si j'y arrive. Comment ça, j'y arrive plus? Comment ça, j'y arrive plus? Ah! Voilà. Hop! Ça, première. Voilà. Évidemment, qui dit Tefiti, dit évidemment son homologue noir, TK. Donc, qui est ici? Alors après, je vais te la montrer, t'inquiète pas. Ce qui va me manquer après, dans cette collection sur Moana, il va me manquer Tamatoa, qui est le gros crabe à première vue, et la grand-mère aussi. Donc, on verra si j'arrive une fois à les avoir. Bon, je vais déjà te montrer TK. Alors, hop. Ah, elle est chouette, elle est vraiment chouette. Hop là. Regarde, je vais te la montrer, elle est vraiment sympathique. Voilà à quoi ressemble TK. Je trouve que là, ils ont vraiment fait des détails vraiment très très fins. Tu vois, comme sur la tête, elle a plein de fait plein de petites nervures pour le volcan. Devant, elle a où est censé être le cœur de Tefiti. Donc, non, elle est vraiment cool. Bon, alors, hop. Alors, ça, pour l'instant, ben voilà, c'est les deux que j'ai reçus pour la collection de Vaiana. Donc, après... Après, alors il y en a une qui n'a rien à voir avec les Disney ou d'habitude ce que je commande comme pop. Simplement, là, c'est vraiment au feeling. Alors, c'est sur un jeu vidéo que j'ai regardé, j'ai juste vu l'autre jour pour voir ce que c'était. Et ce jeu vidéo, ça s'appelle Persona 5, que je connais absolument pas. Mais par contre, ils ont de ces petits personnages qui sont mais mignons. Je vais te montrer, là il s'appelle Mona, le petit personnage, voilà. Je vais te déballer, comme ça tu vas voir, comme ça vous pourrez voir la tête qu'il a. Alors, c'est pas parce que, je dis il faut que des pop, hein. C'est simplement, je suis tombé dessus, et je suis tombé en admiration devant cette bouille de pop. Bon par contre, elle est pas bien grande, hein.
Mais par contre, regarde. Regarde-moi la tête. Elle est extraordinaire. Et en plus, elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment chouette. Avec son petit masque. Voilà. Alors, je l'ai vraiment trouvé, mais excellent. Il a une tête, mais c'est royal. Donc, j'ai dit, allez, fais-toi plaisir. C'est Noël. Voilà. Donc, ça, dedans. Hop là. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Ça, là, c'est fait. Après, on va pas se faire celle-ci, on va se faire ici. Voilà. Voilà. Alors, après, voilà. Ils ont fait, je vais te dire, c'est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti une box spéciale. Voilà. Où dedans, nous avons à première vue une pop. Nous avons une pièce où c'est marqué figurine en conserve. Voilà. Nous avons un véhicule moulé sous pression. D'accord. Et puis en... c'est quoi? Et des dés. Des dés à jouer à première vue. Donc, on va déjà ouvrir le carton pour voir ce qu'il y a dedans. Sans tout casser, ce serait bien. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, ouverture. Oh! Alors, par quoi commençons? On va commencer par ceci. Oh. Voilà, nous avons un petit sac, là, qui est très sympathique. Où il a la tête, c'est quoi? C'est de Oogie, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, c'est le petit sac pour ranger les petits dés. Voilà les petits dés. Oh, mais ils sont stylés! Je vais essayer de t'en montrer un, comme ça tu vas pouvoir voir. Regarde-moi. Regarde-moi comment ils sont stylés, ces dés. Ils sont vraiment chouettes. Hein. Donc, il y en a deux comme ça, dedans. Voilà. Failli une catastrophe. Regarde. Là, hop. Il y a les deux dés. On va y ranger pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on a? C'était marqué une véhicule. Un petit véhicule. C'est marqué Funko Racer. En édition spéciale. Alors, c'est marqué véhicule moulé sous pression. Oui, ça, on a compris. Je vais déjà te montrer l'arrière. Comme ça, tu vas pouvoir voir à quoi il est censé ressembler. Voilà. Et je te montre devant. Il est vraiment excellent. Je vais te le déboxer, comme ça on va pouvoir voir ça. Ah mais ils ont scotché dans tous les sens, ça. C'est sûr que ça va être compliqué d'y ouvrir, ça. Alors, hop. Là, ça c'est bon. Là aussi. Et là en bas, je crois qu'il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin aussi. Hop là, voilà. Où c'est que j'ai oublié encore? Ah non. Tiens, là. On va juste couper ça pour l'ouvrir. Voilà. Alors au moins, ce qui est sûr, c'est que l'emballage, il tient comme il faut, ça va pas bouger. Et c'est Jack sur un petit carte. Regarde ça. C'est excellent. Il est vraiment sympa. C'est cool. Ah, le petit box pour l'instant est pas mal, c'est sympa. Bon, alors après, c'était marqué une box. Donc voilà, une box alu. On a déjà eu un truc dans ce style, la même chose pour Dumbo. Donc on va, je vais la déboxer, celle-là. Hop.
Voilà, voyons voir ce qu'on a de beau dedans. Évidemment, si j'arrive à y ouvrir. Hop. C'est marqué Funko pour 3 ans et plus. Hein. Enfin, plus pour 3 ans. Marqué 3 plus. Ah, mais c'est une Mystery Mini. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de beau? Hop. Attention. Oh, oh. Oh, c'est chouette. Ça, ça aurait été sympa pour Halloween. Regarde, voilà ce qu'on a reçu de Jack. Une petite boîte à musique où t'as une petite citrouille qui sort. Elle est quand même cool, hein. Moi, j'aime bien. Elle sera posée là-bas en haut après. Hop, on va déjà mettre ça de côté. Bon, je pense que les dés, ça sera pour madame, vu qu'elle fait du jeu de plateau. Voilà. Je sers un peu de place, toi, parce que ça commence à... Hop. Et il nous reste une pop qui était dans le carton. Alors, dans le dessin, dans le film de Jack, ils l'appellent le perce-oreille. Mais ça tombe bien, nous... ici, on a plutôt l'habitude de dire le Père Noël. Tu vois? Alors, c'est marqué Sandy Claw. En édition spéciale. Ok. On va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Hein, pour voir la tronche qu'il a quand même. À l'approche de Noël, c'est pas trop mal une pop. Une pop Papa de Noël. Elle est quand même sympa avec. Il a une petite liste. Je vais te montrer la. Le petit Papa Noël, regarde. Quand même sympa, hein. Avec sa petite liste, son petit stylo de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je te fais encore un petit tour. Attention, attention. Hop. Voilà, je suis au bout. Elle est vraiment chouette, hein. Après, c'est pas les Papa Noël en pop que j'ai collectionné, hein. Mais dans l'univers Jack, voilà. Donc, non, elle est sympa. En plus, c'est spécial édition, donc je pense qu'ils n'ont pas tiré... non, pas 36 000. Hop, là, hop. Alors, je vais juste remettre ça là-dedans. J'y redistribuerai comme il faut après. Voilà. Bon, ensuite... On passe totalement dans notre univers. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a le film Maléfique 2 qui est sorti. Donc, j'ai déjà pris une figurine d'elle. Et là, j'en ai repris une, mais qui est vraiment tirée cette fois plus du film. Voilà. Celle-là, elle est vraiment, vraiment tirée du second film. Donc, je vais te la montrer juste comme ça. Comme ça, tu pourras la voir. Si tu vois, elle a les ailes et tu vois bien que derrière, c'est tiré avec du film. Donc je vais te la montrer. Elle a l'air d'être vraiment sympa. Un peu plus que l'autre. Bien que l'autre, elle est chouette. Hein. Mais l'autre, elle est plus tirée du dessin animé. Celle-là est vraiment tirée du film. Ah ouais, les petites ailes, son petit bâton. Vraiment cool. Et voilà, Maléfique tiré du film. Essaye de la tenir pour pas qu'elle tombe, parce que tu sais pas où la prendre par les cornes, la cape. Toi, je te dis, elle a son petit sceptre. Ah, un petit message. Mais sinon, ouais, elle est vraiment chouette, elle est bien finie. Donc voilà. Bon, alors, hop. Ça, on range. Hop. Voilà. Bon, bah alors, on va arriver à la dernière pop. Je vais déjà la prendre. Voilà. T'as remarqué, le carton est déjà un peu plus gros. Hein. Alors, c'est une pop spéciale. Une spéciale édition. Qui est Glow in the Dark. Donc, elle brille dans le noir, évidemment. Hein.
Et c'est toujours sur le même thème des méchants. Là, vu qu'avant on avait Maléfique. Donc là, c'est de nouveau sur Maléfique, mais quand elle est transformée en dragon. Donc elle a l'air d'être assez grosse comparée aux autres. Toi, là, tu vas tout. Là, ça, tu peux voir comment c'est. Alors, à mon avis, ce qui est en glow, ça doit être les flammes. On va essayer de la déballer sans tout exploser. Ah, j'ai un invité là-bas. Tu vois juste un bout de queue qui balaye. C'est un chat dans un carton. Alors, elle est pas petite, hein. Elle est pas petite la Funko. Elle est mouse, hein. Voilà, l'autre il s'éclate. Je vais déjà te la montrer, comme ça tu vas voir. Elle est vraiment stylée. Là. Hop. Faudra que j'essaye de te faire une photo. J'essayerai de faire une photo parce que si tu vois bien là, toi j'ai un éclairage pour m'éclairer. Donc j'essaierai de la mettre au moment sous la lumière pour voir et faire une photo dans le noir pour voir comment elle brille. Et je te la mettrai pour voir, comme ça tu pourras voir à quoi ça ressemble. Là, hop. Pour l'instant on va la ranger. Et on essayera d'éclairer ça une autre fois. Bon, bah voilà, on a fini le tour des nouvelles pop pour aujourd'hui. La prochaine fois, on a un chat dans le carton qui s'éclate. Mais à fond. Donc la prochaine fois, ce sera plus sur l'univers pour Noël. Hiver, Noël, tu verras bien. Donc, si cette vidéo t'a plu, ben, oublie pas de t'abonner, puis de laisser des petits commentaires. Puis à la prochaine. Allez, ciao!